prank someone that I'm smoking their cigarette. Hi guys, welcome back to my channel. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens, je suis ravie et très excitée de vous faire un prank aujourd'hui. Donc de ma dernière vidéo, vous avez voté comme quoi c'est un prank que vous voulez voir prochainement. Donc here we go, on est au prank et aujourd'hui je vais faire croire à ma mère que je fume. Donc il y a déjà un bon bout de temps que je voulais lui faire croire que c'est une vraie cigarette hein. Ça faisait un bon bout de temps que je voulais lui faire croire que je me m'étais mis en fait à la cigarette. Mais jamais en fait le temps était vraiment propice, soit elle était pressée, soit elle n'était pas habillée, soit bref il y a toujours un truc en fait tu vois. Et donc là actuellement comme c'est la rentrée scolaire, elle est partie acheter les dernières fournitures à mes soeurs à Auchan. Et donc du coup là je suis seule à la maison et je me suis dit c'est bon, là c'est le moment parfait, c'est le moment idéal, c'est vraiment le moment propice, celui que je cherchais depuis. Voici ce qui va se passer. Quand je vais voir par le balcon en fait qu'elle arrive, je vais allumer la cigarette et je vais me mettre à fumer dans ma chambre. Je pense que c'est Sephora qui va ouvrir la porte de ma chambre. Sephora quand elle me verra en train de fumer, comme c'est une grosse balance, elle ira dire à ma mère que je suis en train de fumer. Et là ma mère rentrera dans la chambre et me verra en pleine action. Et donc je pense que je vais dire un truc en mode je sais pas. Je sais pas, je fais une crise, je suis en train de déprimer, je tombe en dépression, je sais pas maman, je sais pas. Je sais que c'est ma mère, mais je sais pas si elle sera en mode, oh si Penola s'est donnée à la cigarette, c'est que vraiment elle a des soucis dans sa vie, donc faudrait plutôt que je l'aide et que je sois douce. Ou si elle sera en mode, oh je suis tellement déçue de toi, tu me dégoûtes, tu m'énerves tellement que peut-être qu'elle va me taper. Et chez les Africains, il n'y a pas l'histoire de t'es grande, t'es majeure. Et chez les Africains, tu peux même avoir 30 ans, 40 ans. Si ta mère, elle veut te goumer, elle va te goumer. Du coup, en commentaire, mettez un hashtag douce si vous pensez qu'elle sera assez douce et compréhensible. Ou bien un hashtag énervé si vous pensez qu'elle va péter un câble. Douce, énervée, moi je sais pas. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que tu attends? Sista, Broda, c'est la famille ici, hein? Je t'invite à le faire ainsi que de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. À liker cette vidéo si tu veux plus de pranks, parce que moi je dis que je suis la reine des pranks. Un peu de parfum comme dans chaque début de vidéo. Alors, ça sent bon, hein? Ok, let's get into it. Comme je vous ai dit, ça fait un bon bout de temps que je comptais lui faire ce prank là. Donc j'avais caché les cigarettes en haut là. Donc dès que j'entends quelqu'un sonner, j'allume. Ouais, il faut pas que tu me lâches toi par contre hein. Je vais attendre là comme ça. Non, plutôt comme ça ici. Ouais, comme ça. Là, voilà. J'attends, je vais les attendre comme ça. Il y aura plus de gaz après. Écoutez, on va se regarder. T'es beau, t'es belle. Ouais. Ouais. Vous allez croire ou pas? Est-ce que vous avez remarqué comment ma perruque elle est super mal collée? Et je le sais hein. J'ai la peine de bien la coller en fait, tu vois. Donc j'ai juste posé sur ma tête comme ça. En fait, je crois que je vais quand même en fumer une pour que la chambre sente bien l'odeur de la cigarette. Honnêtement, je suis une ancienne petite fumeuse. Donc si vous voyez que je fume bien, c'est normal, mais vous ne fumez pas. Ma tête elle tourne. Eh, c'est de la drogue ça. Hi. Comment les gens ils font pour fumer une cigarette entière? Ça me paraît une éternité en fait. Hello Pena. Ouais maman. Oui. Vous êtes où? Au McDo. Ah ok, d'accord. Tu veux quoi? Un jus d'orange. Un jus d'orange? Ouais. Tu veux pas de menu? Non, je suis au régime. D'accord. Je rajoute un jus d'orange alors. Okay. Vous êtes à la caisse? Oui. Ouais, un jus d'orange. Qu'est-ce que tu veux? Il peut pas dire là, dépêche-toi. Non, comme ça, vous prenez emporté ou sur place? Emporté, on rentre là. Ok, vas-y, à toute. Tu veux le menu? Non. Non? Non. Ok. Vas-y, à toute. Mais tu m'avais appelé pourquoi en fait? Non, pour savoir où vous êtes. Ah d'accord, on arrive. Vas-y, à toutes. Oh, désolé, excusez-moi. Ça fait 30 minutes que je suis sur le balcon pour essayer de voir si elles arrivent ou pas. Sur Transilien, j'ai tapé l'heure à laquelle elles auraient pu prendre leur train. Normalement, elles ne doivent pas tarder.
Mais en attendant, je me les jette. Elles sont là, je les ai vues sur le balcon, elles sont là. Donc, j'ai commencé à allumer là. Oh, j'ai peur, ou bien ça passe pas trop tôt parce qu'elles ont quand même 5 minutes de marche. Quoique. Oh putain, mon cœur il bat trop vite. Elles arrivent. Oh, j'ai le cœur qui bat trop vite. Oh, j'ai le cœur qui bat trop vite. En fait, ma mère, elle m'estime tellement que elle sera déçue en fait de me voir en train de fumer à la maison comme ça et tout. Et qu'il y a mes soeurs qui sont là, donc elle va se dire en plus tu fumes et tu ne daignes même pas le faire dehors, tu le fais à la maison, tu vois. Trop manque de respect. Maintenant, je retourne le retour d'écran. Voilà, le son il est ok, tout est ok. Là, on dirait que ma mère, elle va pas venir. Donc, du coup, je me demande, et si je disais à Sephora de dire à ma mère de venir dans ma chambre? C'est le prank. Tu as pris la cigarette ou? C'est pas un prank, je suis déprimée. C'est bien. Tu fais quoi? Je prends ta photo. Pourquoi tu me prends photo? Comment tu vas ton père? Non, arrête, je fume pas. Non, tu fais un prank là? Non, c'est pas un prank. C'est pas un prank. Pourquoi tu me filmes? Tu envoies ça à qui? À ton père. Pourquoi? Tu fumes non? Non, je fume pas. Tu es déprimée? Non, je suis pas déprimée. Tu vas boire? Je me sens pas bien. Tu veux du whisky? Je me sens pas bien. Donc il faut fumer. Bah, je sais pas, il était pris. C'est un prank pour ça. Je te connais. C'est pas un prank. Pourquoi t'en fais donc? C'est ton truc avec lequel tu filmes là, c'est ça non? Non. Mais je dis, c'est pas un prank. Mais va manger non? Merci. Je suis vraiment cramé. Pourquoi tu déposes le ventre? Je sais pas. T'es malade. Tu es tombé ou pas? C'est vraiment petit. Hein. Viens rester avec moi, ça va te changer. Ton père, les gens. Ta maman! C'est un prank, je t'ai pas énervé! Putain! Elle y a pas cru! Enfin, si! Enfin, non! En fait, voilà, au début, elle a dit c'est un prank. Et après, quand elle est partie voir que la caméra ne tournait pas selon elle, elle a dit mais pourquoi tu fumes? Pourquoi tu déprimes? Non. Et j'étais super méga touchée par sa réaction. Je pensais quand même qu'elle allait péter un câble, mais pas du tout. Elle n'a même pas insulté! Elle est trop méga chou! Mais du coup, en commentaire, vous dites-moi comment est-ce que vos parents ils auraient réagi eux? Est-ce qu'ils auraient pété un câble ou bien est-ce qu'ils auraient été aussi doux et compréhensifs comme ma mère? En tout cas, tous ceux qui ont mis le hashtag. Bah, douce, bah, vous avez gagné parce qu'elle a été effectivement hyper douce et hyper compréhensive. Elle était en mode viens rester avec nous pour te changer un peu les idées. Bref, en tout cas, méga surprise. Mettez un like pour ma daronne, franchement, elle le mérite. C'est vraiment la meilleure maman du monde. Voilà, c'est pas le genre de mère qui juge son enfant, non, elle est hyper douce, hyper compréhensive et ça m'a grave touchée. Bref, ce fut un prank fail. Je mets quand même en ligne parce que ce serait pas juste en fait de juste vous montrer quand je réussis mes pranks. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'a grave servi de leçon pour le prochain prank. Et le prochain prank, je vais grave y arriver. Donc si tu ne veux rien manquer, et bah abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la cloche de notification et mets un petit like, commente ce que tu en as pensé. Et puis voilà. Ah oui, tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Snapchat là et là. Je mets aussi les liens en barre d'infos et ainsi que les liens des compléments alimentaires de chez Lachille Beauty qui sont juste mouah. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ça sera un tuto make-up. Ça fait hyper méga longtemps que j'ai pas fait de tuto make-up. Donc il y a pas 30 ans, j'ai fait grave des achats chez Sephora et j'ai grave trouvé des produits pépites qui ont révolutionné ma routine make-up. Donc
Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc elle sort demain, demain en matinée. Ouais, à 13h. Bisous, à demain.